Salut, bienvenue. Petit tuto consacré à Inkscape. On m'a posé la question de savoir comment réaliser ce type de frise à partir d'un fichier qu'on m'a envoyé. Donc, on va tout de suite ouvrir ce fichier. Voilà, on va observer donc ce fichier. Pour cela, je vais aller dans Objet, Calque Objet. On va grandir un petit peu. On va cliquer ici sur la petite flèche du calque 1 et on voit qu'il est composé de deux calques objets. Ici, donc j'ai un calque objet là et là j'ai un calque objet avec ma petite frise. Donc, cet objet là, on va d'abord utiliser l'outil nœud ici. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de nœuds. Pour cela, on va venir le simplifier. Moi, j'aime bien utiliser ici la fonction qui s'appelle simplifier. Le raccourci, c'est CTRL L pour avoir un petit peu moins de nœuds. Et on va également aller dans chemin, effet de chemin, et on va supprimer l'effet de chemin qui existe déjà sur cet objet. Comme ça, on a quelque chose de relativement propre. On peut supprimer ce nœud. Donc, je clique dessus et puis j'appuie sur la touche supr du clavier. Voilà, je vais sélectionner ces deux nœuds et les rendre doux parce qu'actuellement, c'est des nœuds durs, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des losanges. Et les nœuds durs ont leurs poignées qui sont dissociées l'une de l'autre. Donc moi je veux des poignées qui soient associées, donc pour cela je clique là-dessus, et maintenant vous voyez les deux poignées sont associées, ce qui permet d'avoir des belles courbes. Donc pareil ici, rectangle de sélection, et je clique sur l'outil Rendre les nœuds doux sélectionnés. Une fois que c'est fait, je suis sûr que cet objet est pas mal, je vais venir m'occuper de la petite frise. Donc pour zoomer, je clique sur la molette de la souris. Pour dézoomer, Shift-Molette. On peut également appuyer sur la touche plus du clavier, moins, pour dézoomer. Et puis pour se déplacer, je clique sur la molette. Je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer dans mon document. Donc première chose à faire ici, avec l'outil sélection, on va sélectionner ici le, la petite frise. Et on va venir la décomposer en allant dans Chemin et en faisant séparer. Donc cette partie-là, on va la supprimer. Voilà, rectangle de sélection. J'appuie sur supprimer. Je zoome. Je vais sélectionner ici ces trois objets. Je vais cliquer sur l'outil nœud pour voir les nœuds de cet objet. Alors moi, j'aime bien hein, simplifier. Donc, je fais un rectangle de sélection pour supprimer ces nœuds là. Et puis, j'appuie sur supr. Je fais la même chose ici. Puis, je vais venir supprimer ici ces deux nœuds là. Alors, ce qui est embêtant, c'est que les poignées sont apparues. Donc, on va pour cela sélectionner tout ça et rendre les nœuds durs en cliquant là-dessus. Voilà. Ce qui permet de supprimer les poignées. Une dernière chose, on vérifie que ces nœuds là sont bien alignés horizontalement. Donc, rectangle de sélection. Je clique sur l'outil aligner distribuer. Ce qui permet de faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Et je clique là-dessus pour aligner les nœuds horizontalement. Alors je vais changer ici. J'ai l'impression que le cercle n'est pas vraiment un vrai cercle. Donc je vais refaire. Je clique ici. Je clique en appuyant sur CTRL. Ce qui me permet d'avoir un cercle. Je clique sur cet objet pour récupérer les valeurs. Donc on voit que la longueur est de 0,8 mm. Donc je copie. Je clique sur cet objet. Je vois que le cadenas est verrouillé. C'est parfait. C'est-à-dire que si je sélectionne cette zone et que je colle ma longueur et que j'appuie sur Entrée, automatiquement la hauteur est identique. Je clique avec Shift sur cet objet-là et je peux ici les intervertir dans la fenêtre aligner et distribuer. Il y a ici dans Organiser cette petite option qui permet d'intervertir cet objet à celui-là. Donc je clique ici, hop, voilà, et je peux maintenant supprimer cet objet. Je vais sélectionner tout ça, et je vais dans Chemin et je fais combiner. Je fais maintenant une petite rotation de 90 degrés. Donc pour cela, je clique sur mon objet. Automatiquement, les flèches deviennent des flèches de rotation et d'inclinaison. Je clique sur la flèche de rotation et j'appuie sur Ctrl, ce qui permet de faire une rotation de 15 en 15. Et quand je suis à 90 degrés, je relâche. Voilà, je vais dupliquer cet objet. Pour dupliquer, c'est facile. Je clique là-dessus. On voit ici qu'il y a un nouveau calque avec le nouvel objet qui est apparu que je vais pouvoir déplacer. Et je fais un retournement horizontal en cliquant là-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, j'active le magnétisme. Je clique ici sur la petite flèche pour vérifier que tout est bien coché, ce qui me permet de déplacer cet objet. Et voilà, maintenant je suis sûr que les deux boîtes englobantes des objets sont bien alignées. Je fais maintenant un rectangle de sélection. Je vais dupliquer ces deux objets en cliquant là-dessus ou Ctrl D. Voilà, je déplace. Je clique sur ce cercle là. Donc je clique avec le bouton gauche et je viens le déplacer de façon à ce qu'il soit bien aligné avec la pointe ici, ce qui me permet d'aligner ici cet objet correctement. Voilà, je clique, je déplace et grâce au magnétisme, je suis sûr qu'il est placé correctement. Comme ça, ma frise sera bien jointe. Donc je sélectionne ces deux objets et j'appuie sur supprimer. Je fais un rectangle de sélection et je vais dans chemin, combiner. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je sélectionne ici cette ligne. Je vais dans chemin, effet de chemin. Je clique sur la petite flèche et je choisis motif suivant un chemin. Je sélectionne mon motif. Je vais dans édition, copier. Comme ça, cet objet est copié dans le presse-papier. Je clique sur ma ligne, je vais coller mon motif en cliquant ici. Voilà, j'ai mon motif qui est appliqué. Alors, <coughs> il n'est pas encore très beau. Pour cela, je vais choisir ici Répéter et tirer. Je vais supprimer le contour. Donc, je me mets ici sur la couleur du contour qui est noir. Clic droit, supprimer le contour. Et je vais mettre un fond noir en cliquant là-dessus avec le bouton gauche, tout simplement. Alors, pour zoomer, je clique sur la molette. Je clique sur l'outil d'éditer les nœuds. On voit que là, ce n'est pas très beau, ce n'est pas grave. Je vais briser ici le nœud en cliquant là-dessus. Voilà, j'appuie sur moins pour dézoomer, je me déplace. Je fais la même chose ici, je brise le nœud. Le raccourci c'est Shift B. Ctrl Z. Voilà, si je me mets là, je fais Shift B, ça a brisé le nœud. Maintenant, ce qui nous reste à supprimer ici, c'est ce chevauchement là qui est pas très beau. Donc pour cela, on va convertir mon objet en chemin. Alors attention, si vous convertissez l'objet en chemin, vous ne pourrez plus modifier éventuellement les courbes. Vous ne pourrez plus faire ça. Alors si vous souhaitez modifier, vous pouvez dupliquer cet objet, le mettre sur le côté. Et convertir maintenant cet objet en chemin, chemin, objet en chemin. Et on va venir également le décomposer, chemin séparé plutôt. Alors ça peut être un peu long parce que voilà a créé chaque calque pour chaque objet. Donc je peux comme ça venir supprimer ici ce petit cercle en appuyant sur SUPRE. Cet objet, celui-là, celui-là. J'appuie sur moins pour dézoomer. Voilà, je fais la même chose ici. Je supprime cet objet, celui-là, celui-là et celui-là. On peut finir en mettant une petite couleur. Donc, je sélectionne tout. Je peux mettre une couleur orange, par exemple, à peu près comme ceci. Je peux utiliser ici l'outil ajuster. Je choisis cette option qui permet de décaler la couleur des objets sélectionnés vers celle de l'outil. Donc là, c'est orange. Je peux changer. Je peux éventuellement mettre une couleur, voilà, violette. Je vais cliquer. Vous voyez, je peux peindre ici. Je vais mettre du jaune à cet endroit-là. Pourquoi pas du vert, un petit peu ici. Du bleu, allez, du bleu foncé à cet endroit-là. Voilà. Et je viens grouper tout ça en cliquant là-dessus. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.